歌おう。一人だけ歌わないつもり？歌えないって嘘だよね。ようこそ U の世界へ。 U はこの世の知性を司る5人の賢者。現実はやり直せない。しかし U ならやり直せる。Belle de Mamoru Hosoda m'a envoûté. Cette variation sur la Belle et la Bête est très originale et c'est ce qui lui permet d'être une réussite totale. Mamoru Hosoda, on lui doit des films comme Les Enfants Loups ou Le Garçon et la Bête. Là, il va encore plus loin, il crée un univers complètement original, un univers virtuel dans lequel évolue une petite gamine complexée qui se transforme en rockstar dès qu'elle est face à ses abonnés. Si Mamoru Hosoda a créé un monde virtuel merveilleux et s'il dénonce les dérives d'Internet, il montre aussi à quel point ce monde peut être important et peut permettre à des adolescents en crise de trouver des supports qui vont les aider. Mamoru Hosoda prouve une fois de plus qu'il est l'un des plus grands animateurs japonais actuels. Après avoir été longtemps considéré comme l'héritier de Miyazaki, il a maintenant créé son propre univers de plus en plus riche, de plus en plus fort. Belle, c'est vraiment un très très grand film d'animation. Courez-y vite, vous ne le regretterez pas. Belle, どこに行ったの？